Let me hop out the motherfucking Porsche. Donc les potes, j'espère que vous allez bien, pour l'épisode 4 de mon espèce sur Uncharted Drake où je l'ai laissé l'épisode de 30 minutes, maintenant c'est 40 minutes. Bon, cette fois ça fait 40 minutes parce que... Ah, on a trouvé la tombe de l'autre. Ça y est, tu peux me tenir ça? Ouais. Des os, c'est normal aussi. Regarde, c'est une sorte d'ami. J'espère franchement que ça va pas être un vieux boss avec une sorte d'araignée bizarre. Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein? C'est un texte sabéen. Oh, ça doit provenir de l'ancien Yémen, non? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au XVIe siècle. J'espère que vous avez bien, tout comme moi. Ça, c'est nickel. Moi, je tourne l'épisode 3, 4, jusqu'à juste avant, après l'épisode 3. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en Syrie. Maintenant, je fais du montage comme ça. L'éducateur et Chloé la trouveront. Plutôt pour enlever les trucs qui sont chiants, même moi je comprends que ce serait chiant. On se barre. Pourquoi je sens qu'ils vont nous venir? Ouais, t'es sûr. C'est toujours la même chose. Merde. Comme d'hab. C'est chiant, ça fait toujours trop fois la même chose. Beau travail, monsieur. Je crois qu'ils vont se faire tuer par des golems. T'as passé comme ça d'habitude. Veuillez soulager monsieur Drake de son artefact. Ouais, Harris. Essayez. Cette bague vaut pas la peine de mourir. Votre ami a l'air d'accord. Allez, Nate. Tu as tiré dans le bras? Ah non. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Dans la lumière. Prenez-le. Allez, vite. Non, enlève-les. Vite, enlève-les. Je ferme les yeux. Alors là, c'est le pire qui pouvait arriver. Votre torche est en train de s'éteindre. Je vous souhaite bonne chance. Quelle ordure. C'est clair. Bien. Il faut qu'on sorte d'ici et vite. T'éloigne pas. Merde, ma torche va s'éteindre. Et comment on fait là? Il faut qu'on dégage de là. Attends, par là. Eh ouais. Ah ah. Je déteste ça. Allez, allez. Dépêche, dépêche, dépêche. Attrape-moi, 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 attrape-moi. Bien. Ce que je voulais pas, j'en étais sûr, tu vois. Des petites araignées. Ah, y en a partout. Ah, merde. Faut y aller là. Vite. Nate, allez. Ah, ça m'énerve, vite. Ah. Dégagez vos taradis de merde! Ah, je déteste, j'aurais été sûr, ces connards! Elle passe par le plafond! Je crie comme une tapette, mais je déteste les araignées! Je suis arachnophobe, moi! Ah, surtout les grosses, si ça c'est pas les petites! Excusez-moi, mais moi je m'en fous, j'ai que tout sauter, moi, je m'en bats les couilles là! Ah, c'est dégueulasse. Je suis pas Spider-Man, moi. Ah, 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 la meilleure rapide. Ah, le bric est faux, en plus je déteste. Ah, c'est dégueulasse. Je le dégage de là. Panique pas, Kevin. Panique pas, Knight. Mais c'est des vieilles migales dégueulasses, hein. C'est des je m'en fous, je préfère les fourmis encore plus.
te tiens. Saute. Enlève-la. Merde. Bon, t'en as plus. Hein? Et moi t'as rien. Bande de fils de pute de Nitotidoc de merde. On y retourne. Excusez-moi, là, j'ai perdu le truc. C'est une bonne idée. On y retourne, il a dit. Bon, on doit trouver un moyen de sortir. Ouais. Désolé, pour les premières 5 minutes, je suis parti en live là. Je sais pas qu'on allait tomber là-dessus. Ah, la poisse, ça va pas. Okay. Excusez-moi, voilà, je me remets de mes émotions. Voilà la sortie. En bas. Ah, super. Quoi, je vais voir si on peut traverser. Attention à toi. C'est bon, je l'ai. T'as quoi? Ah oui, d'accord, il y a des trucs à droite. Oh non. Attention, Nate. Ça devrait le faire. Je sais, je sais. Putain, mais c'est vraiment la maison des araignées, ça, en fait. J'ai envie de les péter, saloperie. Et moi, en vrai, il y aurait ça, je pourrais pas... Je supporte pas, moi. Petite saloperie d'araignée de merde. Parce que moi, j'ai jamais fait le jeu. Ah, mais non, bien sûr. Bien joué. Bien joué, Knight. Je m'appelle Kevin, si vous voulez savoir. Bon, Kevin. On doit trouver un moyen de sortir. Ah, la poisse, ça va pas. Ok. Voilà la sortie. En bas. Ah, super. Je vais voir si on peut traverser. J'ai hâte d'être au désert. J'espère qu'au désert, il n'y aura pas d'araignée non plus. Normalement, je dois avoir des scorpions. Les scorpions, bon. Ça va, c'est pas pire que les scorpions. Attention à toi. Trucs. J'aime pas bon, non plus trop, mais. J'aime pas trop les trucs qui te crampent dessus, c'est un peu grave, un peu chiant. Oh non. Attention Nate, ça devrait le faire. Je sais, je sais. Attends, je comprends pas la logique là pour faire quoi. Ça va être encore un truc tout con, je parie. Bon, on doit trouver un moyen de sortir. Ah, ça, ouais, ça va pas. Ok. Je vais voir si on peut traverser. Attention à toi. C'est bon, je l'ai. On sait. Aide-toi. Oh non. Attention Nate, ça devrait le faire. Je sais, je sais. Bon, et après, je fais quoi? Peut-être que je dois sauter. Ah, d'accord, excusez-moi. D'accord. Ça va marcher. Comme sur des roulettes. Maintenant, il faut qu'on descende. Oh, attends, attends, chut. Faites un feu de joie. Ah bah attends, mais les... Les araignées vont péter. Réduisez tout ensemble. Oh non. Les araignées, ça va sortir. Mettre les voiles. Et comment je fais là? Descends-le. Peut-être les péter avant. Mais... Oh,
Allez, c'est parti. Ne pas regarder en bas. Ah, oh merde, sacra! Ils sont piégés! Élimine-le, celui! C'est bon, on les a eus. Allez! Mais les araignées, ça va sortir normalement. Quand tu fais les araignées, ça sort. Quelle poutre. Quelle poutre. Tu veux la descendre comment cette poutre? Oh c'est bon, je suis sorti par là. Par ici. Allez, faut foutre le camp d'ici. Bonne idée. À moi de faire attention, ouais. Il va tomber dans les flammes. Dépêche, monte. Je suis là. Je dirais Michael mais en version badass. Michael de GTA 5, t'es la version qui fait 3 mètres. Arrête, t'as vite comme jamais là. Là, c'est un vibromasseur ma manette là. On fait quoi? On se barre par là?
D'accord. On va pas faire ça. Il brûle normalement. Un tour. Je tue un jour ou quoi lui? Je tirais toutes mes balles. Ok, par là. On y est, Black. On lui percute. Et laisse leur pote mourir. Attends, là-haut. Dégage. Qu'il y a là-haut? Voilà la porte. Allez, allez. On peut dire que tout se détruit là. Merde, merde. Soleil, je suis bloqué, aide-moi. Les voilà. À terre. Merci. Te voilà. Allons-y. Toujours un temps de prendre des munitions. Oh putain, c'était pas loin. Oh putain, oh putain, oh putain. Sa mère la pub. Comme dirait Game One, c'est pour ça que je dis ça en fait. Je passe automatique maintenant. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là, avance mate. Avance, avance. Oh sa mère. Alors on peut dire que ça se détruit là. Continue de grimper. Allez vieux. Pète la fenêtre non? On se dépêche. Alors pas tes araignées ça.
déjà toi tu vas te calmer. C'est marrant en fait, on leur pique leur grenade, tu vois. On dépêche. Je sais pas où aller là. À part là. Non, bah non, peut-être pas. On va là. Oh merde, ça c'est mauvais ça. Ah mais aussi attends, me dis pas que je croyais que je pouvais continuer moi. Là c'est l'épisode le plus épique qu'on a fait là. Et le plus intense. Ah ouais. Non, on est mort. Allez. Oh la vache. On l'a échappé belle, hein. Ça va? Oh ouais, super. Bien. Donne-moi une seconde. T'as tendance à oublier que j'ai 25 ans de plus que toi. Allez, Sully, t'es fort comme un turc. Bref, rien de presse. Ils pensent qu'on est dedans. Ça a failli. Il faut que je te dise. C'est un peu flou dans ma tête. Tu peux me rappeler ce qu'on fait ici, déjà? Non. Si c'est un de tes discours moralisateurs, merci bien. Nate, ces types sont pas là pour plaisanter. Et alors? Hein? Me dis pas que tu veux baisser les bras. Mais j'ai jamais dit que j'allais baisser les bras. Alors arrête de parler comme un perdant, d'accord? Écoute. Ça fait 20 ans que j'assure tes arrières. Je parie qu'on va voir un flashback vers l'arrière. Il n'est pas question que je t'abandonne. Qu'est-ce que tu crois? Je voulais juste m'assurer qu'on avait de bonnes raisons de faire tout ça. Là, c'est ta fierté qui te dicte ta conduite. Tu prends trop de risques. Et c'est pas ce que je t'ai appris. Tu vas te faire tuer. Ah, bon ça. Ah. Il va tous nous faire tuer. Oh non. Quoi? Cutter et Chloé. Si on a été suivis... Merde, eux aussi ont été suivis. Faut qu'on les appelle. Ouais, et qu'on file en Syrie en vitesse. Mmh. J'espère que tu te souviens où est la voiture, parce que je suis complètement paumé. Bon, on dirait. C'est partir en Syrie. Bon sang. J'arrive toujours pas à les joindre. Quelque chose tourne vraiment pas rond. Là, on va voir les scorpions. Je pense. Quand est-ce que ça ouvre ici? Il ne reste que quelques heures avant que l'écart de touristes pointe. Va falloir faire vite. La chaîne est coupée. D'accord. Au moins, on sait qu'on n'est pas les premiers. Aussi longtemps que Marlowe et Talbot nous croient morts, on a l'effet de surprise. Faut pas le gâcher. Ouais. Donc, on se faufile, on trouve où ils retiennent Chloé et Cutter. Si, ils sont vivants. Toujours aussi optimiste. Je dis juste que ces gars ont pas l'air du genre à prendre des otages. On va essayer de rester positif pour le moment, d'accord? On sauve Cutter et Chloé, et une fois tous les quatre, on sort discrètement. Oui, bien sûr. On sort discrètement. C'est possible.
Ça va être dur, moi. On passera pas par là. C'est fermé. Oh, première mort. Comme un con. Je croyais qu'on pouvait monter, mais non. On dirait pas. On passera pas par là. C'est fermé. Allez, par là. Va jeter un œil. Je t'attends. Bon, bouge pas. Il devient vieux, celui-là. Ok, Sully, c'est bon. Monte. Ah ouais, monte. Quoi, c'est beau, hein. La Syrie. Je sais pas s'il y a la guerre en ce moment, je crois pas. Je suis pas sûr. Hé, aide-moi avec la porte. Oh oh oh. On sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Ah ouais. T'as raison. Donc on va monter, d'accord. Je vais grimper et faire le tour. Je te dirai si c'est bon. Ok. Oh. Ça va bien? Ouais. Mais j'ai eu chaud. On a vu ça. On m'a dit, ouais, ça tape le carré. Quand t'as un ennemi au-dessus de moi, tu peux le tuer. Qui va là? Non! Oh, saloperie, ils m'ont découvert déjà. Je me fais exprès, là c'était du PGM là. Ah, c'est bon. Parfait. Quoi, un paraneuf? Ah. Ah, d'accord. Nouvelles armes. On va chercher celui-là. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu foutais? La routine. Allez, maintenant, suis-je d'une main. Non? Allez, viens m'aider. Qu'est-ce que je pensais?
Peut-être que dans le 4 il va mourir, qu'est-ce qu'on en sait? Bien, par c'est ici. C'est la fin de Nate. Bah, l'histoire de Nate en tout cas, comme dit Borge là. Du monde? Non, pas l'air. Sully, par ici. Bon, recule. Ouais, c'est un peu moche là. J'espère qu'on peut pas nous mettre des araignées. Puis les mises araignées qu'il y avait en France, c'était pas des petites araignées, hein. Putain, le truc qu'il y avait. C'était des grosses migales de ouf. Oh non. Fais-moi descendre. Oh non. Oh, mais ils aiment les égouts, quoi. Du nouveau en bas. Ok, une seconde. Je vais voir. J'ai quelqu'un. Je vais tuer ça. Y'a quelqu'un. C'est quoi? Par ici. Je te tiens. Voilà, j'ai les deux, les trois. Parfait. Ça m'a l'air plutôt bon. C'est quoi ici en fait? C'est la Syrie, ouais. En tout cas, on a l'armée qui est là. D'accord, il y a carrément un vase. Un peu moche, mais un vase. Puis j'ai pas fait spread tout à l'heure avec le pot, tiens, je suis tout allé dedans, mais. Y'a quoi là? Un truc au monté. Recule, je vais tirer. C'est bon? J'aurais dû mourir, mais c'est pas grave. En fait, faut que je remonte, j'aurais pas dû faire ça, bref, c'est pas grave. D'accord. On va aller faire ça. On est parti. Ah, merde, allez. Sully, aide-moi. Merci. Ça grouille d'agents dans le coin. Chloé et Cutter ont peut-être des ennuis. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Ça, j'en sais rien. En plus, c'est des agents, ouais. C'est même plus des hommes de main. C'est pas vrai. Vous êtes pas en France? On vient vous sauver. De quoi? On vous croyait piégé. Ouais, ou pire. Pourquoi? Talbot nous attendait au château, c'était un piège. Et nous, on croyait qu'ils vous suivaient aussi. Ouais, je confirme, ils sont ici. Sans blague. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait baisser d'un ton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça fait un jour qu'on essaie de vous joindre. Ah, ouais, j'avais plus de forfait. Tu utilises des cartes prépayées? Bah, pas le choix, t'as vu le prix de ces trucs. Quoi? Le mien est mort. Encore? Ouais, bon, on s'en fout de tout ça. Regardez ce qu'on a découvert.
Tout est écrit là. Non seulement le réseau d'espions d'Elisabeth s'étendait jusqu'ici, mais ils faisaient tous partie d'une société secrète hermétique. Mmh. Les services secrets occultes anglais, l'école de la nuit, le Hellfire Club, l'ordre de l'aube dorée, ils sont tous connectés. Alors John Dee... Et Francis Walsingham, et Walter Raleigh, et même ton pote Drake, ils en faisaient tous partie. Le but, c'était le pouvoir. Ils tenaient leurs ennemis grâce à l'espionnage, le mensonge, la peur. Attends. Alors, Marlowe et ses sbires... sont dans le même ordre secret, mais 400 ans plus tard. Vous pouvez en venir au fait, s'il vous plaît. Oui, il est vraiment temps qu'on parte. Ouais, ouais. Tiens, regarde. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Ce qui est en bas est en haut. C'est la clé de toute cette histoire. Il faut monter au sommet du château. D'où les escaliers. Bien joué. Ok, on va monter. On devrait pouvoir accéder aux cryptes avec cet indice. L'entrée doit être cachée quelque part ici. Là, c'est la plus haute tour. Ok. Donc on a juste à traverser... avec un mec musclé. Oh merde! Bordel! À terre! Et là? Très bien, c'est le seul chemin vers la tour. Super. On n'avait pas prévu de faire tout ça discrètement. Tu quoi? On peut pas laisser tomber. Oh, pas si près du but. Allez, on va les contourner. Contourner avec Snake, bah putain. Ils sont là. Faut juste les trouver. Tu vas voir quand ils mettront la main sur Cutter. Les deux autres courent toujours. Pas d'inquiétude, Talbot s'en est chargé enfin. C'est quoi, j'ai mal? J'ai trouvé un corps ici. T'es mort, mec. Ça commençait bien, dommage. Monte ta tête. Allez. Le coach va viser. Au sol. Sa mère. Et il est tombé lui. Je suis pas rêvé, ouais, il est tombé. Attention. Au sol. Non, moi je peux leur envoyer les trucs. Ah oui, il faut attendre que j'ai la barre ouverte. Il y a une entrée au pied de la tour. Bon les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like comme d'habitude. Ça fera de référence à la vidéo et de voir si elle est... sur YouTube, tout ça. Voilà. Si cette vidéo a plu, je vous avise de rien. Et à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Je suis Epi, c'est un top de vidéos sur ma chaîne. Voir ce qu'il y a là-haut. Peace.
à ma nouvelle vidéo sur ma chaîne. Peace. Et portez-vous bien. Left here, check it off and let's take a ride. 'Cause heaven's not far away, and I'm not gonna leave you here. Let me take you in.